Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres et fut baptisé le 18 mai. Il est issu d'une famille italienne, catholique de tradition mais non pratiquante, originaire de la Lombardie. Très tôt, Carlo manifeste son goût pour la piété. Il cultive une vie intérieure intense que ses parents ne soupçonnent pas. Enfant choyé, il est apprécié de tous à la maison et à l'école. Souriant, proche des gens, surtout des plus faibles, il brise la barrière des classes sociales. Il témoigne de sa foi auprès de ses amis et il défend ses convictions avec audace. L'œuvre la plus importante qu'il créa fut son exposition des miracles eucharistiques. 2 ans de recherche et de voyages dans lesquels ses parents se sont aussi investis pour exposer 136 miracles eucharistiques reconnus par l'Église avec photographies et descriptions. Au départ, simple site internet, son exposition a été matérialisée et présentée sur les 5 continents. Bien qu'il ait été jusque-là un adolescent en bonne santé, Carlo tombe malade début octobre 2006. Ce qu'on croyait être une grosse grippe est en réalité une leucémie foudroyante. Sono destinato a morire. Il meurt au petit matin du 12 octobre 2006 et a été enterré selon sa volonté à Assise, où il passait ses vacances sur les terres de Saint-François. En juillet 2018, une enquête canonique débute sur le cas d'une guérison inexplicable attribuée à l'intercession de Carlo Acutis. Il a été béatifié le 10 octobre 2020 en présence de ses parents et plus de 30 000 personnes à la basilique San Francesco à Assise, sa ville de cœur. Reconnu comme un petit génie de l'informatique par ses proches, il est le premier millénial à être inscrit à la liste des bienheureux. Sa fête liturgique est fixée le 12 octobre, jour de sa naissance au ciel. Aujourd'hui, il est très agissant dans la communion des saints. Il aide beaucoup de personnes à se rapprocher de Dieu et à se convertir au Christ. Il n'a pas fini de nous étonner. Sa prière et sa vie sont des phares dans la nuit que traverse notre monde.